Bonjour à tous, bienvenue sur Je Tu Lis. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux albums des éditions du Ricochet qui sont Les Animaux et Les Oiseaux, 21 histoires naturelles. Vous allez voir de très beaux albums qui devraient plaire aux amoureux des animaux. Alors, nous allons commencer par celui sur les oiseaux qui est le dernier sorti. Donc, ces albums sont vendus au tarif de 16 € aux éditions du Ricochet. Donc, Les Oiseaux, c'est un très grand format, comme vous voyez, un grand format carré. Avec une illustration, comme toujours, chez le Ricochet, qui est extrêmement naturaliste, très belle. Et donc, à chaque page, on va retrouver une très belle illustration d'un oiseau et également une petite histoire. Alors, une histoire qui n'est pas qu'une histoire, qui aussi va nous donner des éléments concrets, réels, sur la vie de l'animal, de l'oiseau. Là d'où il vient, ce qu'il mange, ce qu'il chasse par exemple, enfin comment il se déplace, ses plumes, ses couleurs, son rituel amoureux, etc. Mais à chaque fois ça se présentera, puis vous voyez ils ne sont pas des oiseaux communs, ça se présentera sous forme d'une petite histoire. Donc ça reste un très joli livre à découvrir, avec vraiment, par exemple, une histoire à lire chaque jour. On pourrait imaginer ça. Donc il y en a 21 au total. Donc c'est quand même très joli. Dans la même série est paru un tout petit peu plus tôt dans l'année, pouf, Les Animaux. Donc toujours en 21 histoires naturelles. Et là, on va être plus sur des récits avec des animaux divers et variés. Donc la girafe et le tapis, par exemple. Des animaux marins. Vous voyez, on a vraiment des illustrations absolument superbes. Les raies. Les koalas. Les bisons. Ça fait partie de ce qu'on appelle les beaux livres. Ces histoires, vous pouvez les raconter à votre enfant à partir de 5 ans, je pense. Et ensuite, l'enfant peut lui-même les lire facilement jusqu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Voilà, c'est le type d'album qui vous fera quelques années sans problème. Donc, les 21 histoires, petites histoires naturelles aux éditions du Ricochet. Les oiseaux ou les animaux, c'est au choix, selon ce qu'on préfère. Ou si on souhaite agrémenter sa collection. C'est un très beau format, un bel objet. C'est vraiment du livre qu'on peut collectionner sans problème. Je vous le recommande très volontiers. Comme je vous disais, dès 5 ans jusqu'à 10 ans, ça plaira à toute la famille. J'espère que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir commenter, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très très vite sur Je Tu Lis pour d'autres découvertes. Au revoir.